Bienvenue sur la chaîne. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker ou à vous abonner. On se retrouve dans Forza Horizon 5 pour la saison de l'hiver et on va faire le nouveau défi quotidien, aspiration et dépassement, réaliser une prouesse catapulte dans le chapitre de l'histoire, chaque voiture à l'horizon classée. Alors attention, ça fait partie de l'histoire Donut Law. Donc vous devrez d'abord faire l'introduction à la série. Ce sera la première chose que vous devrez faire. Vous devrez faire l'introduction à la série. Une fois que vous aurez fait cette course d'introduction, vous aurez accès aux courses Donut Law et Donut High. Après, vous vous positionnez ici en Donut Law. Et vous devrez faire une prouesse catapulte. Alors, une prouesse catapulte, c'est coller une voiture et prendre son aspiration et puis la dépasser grâce à cette aspiration que vous avez prise pendant un certain temps en restant collé derrière elle. Je vous montre. Donc Donut Law, c'est ici. Vous avez Playa Azul là-bas complètement à droite et Donut Law est là. Vous faites X et vous choisissez le bon chapitre, chaque voiture à horizon classé. Et maintenant, vous prenez l'aspiration d'une voiture et vous la dépassez en ayant pris son aspiration. Donc vous restez bien derrière. Vous prenez celle qui va le moins vite, hein. Donc la dernière là qui est tout derrière là. On s'en fout de gagner, ça n'a aucune importance. On s'en fout de réussir, ça n'a aucune importance. Vous prenez le pick-up, c'est le plus facile à dépasser. Vous restez un peu derrière lui comme ceci. Vous prenez son aspiration et vous le dépassez comme ceci. Et vous avez fait une catapulte. Et voilà, vous avez votre catapulte. Et vous avez fini le défi journalier. Je pense même que vous pouvez quitter la course ici. Ça pose aucun problème, ça validera. Sinon, vous finissez la course, vous faites comme vous voulez. Moi, je vous dis merci et à bientôt pour d'autres vidéos sur Forza Horizon 5. Cette vidéo s'achève ici. Je vous dis merci et à bientôt sur la chaîne.